Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Salut, salut à tous. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Créatrice, bonsoir. On vous observe. Mets la lumière sur vous. Que votre esprit soit éclairé. Pendant que je parle, toute énergie de blocage, j'enlève. Vous savez l'inspiration dont vous avez besoin. Toute personne qui vous bloquait, toute personne qui vient chez vous pour vous bloquer, je sors ces personnes de votre énergie. Quelle que soit la durée de la nuit, de la nuit noire de l'âme, quel que soit le temps où les gens là vous ont pris pour une idiote, vous allez toujours triompher. Il y a les gens qui n'ont pas peur de vous. Hein. Des dons fiers. Ils vont vouloir vous manipuler. Abuser de votre gentillesse. Abuser de votre patience. Le milieu de ta tête gratte et tu me dis que je fasse quoi, je danse. Et le milieu de ma tête qui gratte. L'ennemi va vous provoquer. Il va vous observer. Il va abuser de vous pendant longtemps. Tu vois quelqu'un qui vit aux dépens d'une autre personne pendant des années. Peut-être parce que la personne ne sait pas lire. Quelqu'un travaille peut-être avec tes papiers. On le paye 10 euros de l'heure, tu lui donnes 4 euros de l'heure. Parce que c'est arrivé dans ton compte. Il y a une vengeance qui est en train d'arriver et une restauration. C'est tellement le message. Oh, oh, oh. Vous êtes le genre de personne que vous pouvez trouver les gens dans un pays. Ils ont une façon de fonctionner avec des paroles de pauvreté. J'ai un ami qui m'a dit une fois, que je suis arrivé chez l'autre aussi, les deux parlaient de toi. Il dit qu'elle a l'argent. Il faut taxer, elle va payer. Il y a les gens qui n'ont pas peur de vous. Ils n'ont pas peur de ce que Dieu peut faire sur eux parce qu'ils vous ont touché.
Et le Jacob, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Hein. Dieu peut faire mal à beaucoup de personnes à cause de vous. Dieu peut toucher des personnes parce qu'ils sont venus t'escroquer. Avant, je me disais quand même, on ne peut pas... Attends, Dieu, comment tu peux punir des gens à cause de moi? Je suis qui? What? Et parfois, Dieu va venir te montrer. Dieu te montre. Tu vois, il y a tous ceux qui ont dit que non, il faut être gentil. Que tu leur souhaites du mal ou pas, ils auront mal. Celui qui a compris, a compris. Que tu leur souhaites du mal ou pas, ils auront mal. C'est pour ça qu'il faut que tu libères ton cœur. J'accepte, mon cœur reste ouvert, j'avance. Mais ce qu'ils ont déclenché sur eux, ça va venir. À coup sûr. Tu es en train de crâner. Il y a des gens qui disent, ah, tu es qui, tu n'as jamais besoin de toi. Ils partent. C'est la personne qui t'appelle encore après. J'ai quelqu'un qui m'a boudé comme ça pendant des années. J'ai un malheur qui m'arrive, j'appelle la personne, il fait genre. Un jour, reste comme ça, la personne est bloquée, calée, serrée. J'ai senti que si avec ton orgueil là, Dieu a fait que tu m'appelles. Je ne peux même pas insulter quelqu'un qui est ingrat. L'argent que tu viens, tu crois que tu m'as bouffé là? Si j'avais pris 10 mois pour rassembler, en 2 mois, Dieu va me donner. 2 mois. Mais ta part là, tu as au moins 25 ans de malédiction. Tu vois, la personne fait 25 ans que sa vie n'avance pas. Oui. Donc, tu es dépassé. 25 ans. Le genre que Dieu a prévu de faire avancer tes projets. Toi-même, tu dois avoir l'esprit ouvert pour comprendre. Et la meilleure vengeance, c'est l'augmentation qui est en train de venir dans ta direction. Dieu ne va pas seulement les punir, mais il va te faire prospérer. Comprenez bien ce que Dieu fait. J'ai dit que quoi? Que Dieu ne va pas seulement faire quoi? C'est vrai que parfois on est gentil, mais il y a des soirs où tu dois t'arrêter, tu sors un petit champagne. J'ai un de champagne qui est trouvé là-bas. Tu bois. Parce que Dieu t'a montré comment ton ex-mari, là, ça fait 5 ans. Tu le trouves, il est retourné à ce qu'il faisait quand tu l'as rencontré, c'est là 8 ans. Il est retourné dans ça et jusqu'aujourd'hui, il est dedans. Ça, c'est pour que tu voies. Pour que tu comprennes. Toi, tu as déjà tellement avancé que toi, tu as des sauts quantiques. Toi, tu avances seulement en termes de jours. Tu avances en termes de jours. Genre, ok, à 8 heures, tu es ici. 12 heures. Tu n'as pas vu quelqu'un de 8 heures à 12 heures, tu l'appelles. Mais est-ce que tu sais qu'il y a ça qui s'est passé dans ma vie? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. 18 heures, vous parlez encore. Je ne t'ai pas dit. À 14 heures, ça s'est passé. Toi, tu avances en termes d'heures. Tu es devenu Jack Boa.
Ces événements se passent entre 14h et 15h. Tu es dans une phase d'accélération exponentielle. Ta vie est comme le film. Ils sont toujours dans la vibration dans laquelle tu les as laissés à cela 3 ans. Il y a les gens que tu as laissés au pays. Tu retourneras au pays dans 7 ans. Tu vas aller trouver. Je suis passé l'autre jour. Quand je suis arrivé au pays en 2019, il y a 5 ans. Le 19 juin. Waouh! C'est fou que Dieu me fasse me rappeler de ça maintenant. Après demain, ça fera 5 ans que je suis rentrée au pays. À l'époque, il y avait une femme qui braisait le poisson. Je ne dirais pas le nom de mon quartier pour qu'elle ne se sente. Elle croit qu'elle a oublié. Mais il me rappelle toute personne qui était sur mon chemin que j'ai essayé d'aider. Tu as gagné un cadeau, c'est super. Bravo Nathalie. Elle disait toujours, elle se plaignait. Mon fils est chez mon frère dans telle ville. Ouais, je disais toujours que non. La table sur laquelle tu fais le poisson. Achète-moi les chaises, tu mets, ça devient beau. Achète le tablier, tu portes. Habille ta table. C'est comme ça qu'on fait pour évoluer. Ces conseils, je lui donnais ça en août. Septembre 2019. Oh Seigneur. L'autre jour, je suis allée visiter une maison vers là-bas. Là où c'est. Je ne donnerai pas l'endroit. Et Dieu. En passant, je guette. J'ai dit que peut-être que la femme est encore là-bas. Je parlais comme les blagues. Oh gosh. Lo and behold. Elle est sur la même table. Je ne sais pas si elle a sans changer le tissu qu'elle avait avant. Elle a seulement pris un peu de poids. La même femme, au même endroit, vendant le même poisson, avec la même table, 5 ans plus tard. Je ne suis même pas allée la saluer. Je l'ai vue à distance, je suis passée. Parfois, vous simplifiez la puissance que vous portez en vous. Tu pars, tu sors de ma vie, tu fais un mois, tu viens, j'ai changé. Même en termes de jours. Je vois, j'ai fait 2 semaines, je reviens, j'ai changé. Je peux vous dire en termes d'heures ce que j'ai accompli dans ma vie. C'est l'onction, c'est la puissance. Deutéronome 8, verset 18. C'est le Seigneur, n'oublie pas le Seigneur qui te fait prospérer. Vous imaginez 5 ans de la vie de quelqu'un. 5 ans. Je venais encore d'arriver au pays. Je ne connaissais personne. Tous mes ex qui sont au pays essayaient de me mafiosader parce qu'ils voulaient me mettre le dos au sol. Chacun voulait monter. Non, c'est moi, je vais te pistonner ici. Je vais te connecter à telle personne. Je ne connaissais personne au Cameroun. Je ne connaissais même personne en Afrique. J'avais mes petits 7 000 abonnés sur ma page. 5 ans plus tard, on a 175 000 abonnés. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais bon. J'ai créé TikTok. En 2 ans sur TikTok, j'ai eu 500 000 abonnés. Oh, Seigneur, continuons, ça va. Chacun vient. Tu sais, le pays est dur, hein. Tu ne peux pas t'en sortir, tu as besoin de moi. J'étais rentré avec une vision. L'année 2019 qui rentre, je lance les ateliers de vacances première fois. Le fiasco total jusqu'à soulever les pieds en l'air. Personne ne vient. Je tape même 2 mois de dépression là. Je dis que ah, peut-être que même ce que je crois qu'elle peut faire pour changer même les choses, ça ne peut même pas changer. 6 mois plus tard, le corona vrai, boum, le corona m'ouvre les portes pour que je lance mon école vraie en 2020.
Oui. Fait la première année, on me guette. J'ai des gens qui me rappellent distinctement les avoir invités en 2020 à la clôture de ma cérémonie première année. Il y a des gens qui ne croyaient pas en moi. Je crois qu'il y a un qui est venu, je ne vais même pas nommer, mais un ex. Il est venu avec sa femme. C'est des gens qui rentrent. Il est rentré au pays pour tôt, très longtemps. Il avait à ses hôtels, il avait à ses trucs. Mais il y a un truc que Dieu m'a donné la première année que j'ai lancé l'école et les gens sont venus. Les parents ont cru en moi. Les parents ont cru en moi. Ils sont venus, ils ont dit que vraiment, on sent quelque chose en toi. J'avais pas de financement, rien. Je suis de plus en plus belle. Je vous ai dit que la beauté sur vous, attendez, je vais vous gifler avec la beauté. Je n'ai pas encore commencé. I'm just starting. Je n'ai pas encore fait avant, après. Donc, ne te dérange pas, chérie. Plus le temps passe, plus je deviens belle. C'est comme ça. Recevez pour vous. Plus tu accouches des enfants, plus tu deviens belle. En Wanda. Chaque enfant apporte sa beauté. Si seulement vous saviez comment les gens vous redoutent. Les gens vous redoutent. People fear you. Les gens ont peur de toi. Toi, tu es là, tu dis. Je suis même qui? Qui va venir? Ma devise, hein? Même si personne ne vient, je fais faire. Oh, non. Même si personne ne vient, je vais faire. Je dis que je vais faire. Je vais faire. Ouais, quand tu étais petit, là, tu faisais ça. Comme ça, là. Hein? Que je vais faire. Je vais seulement que faire. Je fais ma chose, vous ne venez pas. Je fais. Je ne peux pas ma nourriture, vous n'achetez pas. Je mange. Je couds mes habits, vous ne portez pas. Vous n'achetez pas. Je porte. Ça me plaît. Oui. C'est depuis 2018 que je fais les t-shirts pour vendre aux gens. Il y a les années que je fais, je porte mes t-shirts jusqu'à ça me plaît. Je porte, ça me plaît. Oui. Vous ne venez pas dans mon école, j'accouche mes enfants, je les mets dans mon école. Il y a des gens qui ont peur de vous jusqu'à. Hey, si elle commence une activité seule, si elle commence à vendre la nourriture là-bas en Europe, et, si elle ouvre le restaurant, et, les gens vont venir. Les gens te redoutent. C'est toi qui tournes. C'est enfant d'excellence. Tu vas sur Facebook, tu étais enfant d'excellence. Si elle lance son traiteur et... Yeah. Elle s'habille toujours bien. Si elle lance sa gamme de vêtements, non. Yeah. Là, je lui dis, qui va acheter? Ouais, qui va acheter mes habits? Si elle lance le programme, qui va venir? Ouais, ta grosse tête. Je ne crois pas en toi, pourquoi? Hein? Qui va venir? Tu ne sais pas que les ancêtres veulent l'obéissance. L'obéissance. Et dans le spirituel, on ne fonctionne pas. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. On ne fonctionne pas avec le nombre de vues. On ne fonctionne pas avec les likes. Est-ce que tu es en train de faire ce qu'on t'a dit de faire?
Non, j'ai les enfants. Leur papa ne peut pas accepter. Qui va rester avec les enfants? Hey, Larry, tu ris, tu te reconnais. Tu as les enfants plus que qui? Qui va venir? Qui va venir? En fait, c'est parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur de te lancer totalement dedans et les gens ne viennent pas. Et je vous ai toujours dit, partons du fait que personne ne vienne. Fais seulement pour faire alors. Supposons tu vends, personne ne vient. Tu t'assois, tu manges ta chose, non? Moi, je suis chef pour manger mes choses. Hein. Même mes produits que je vends là. N'achetez pas, vous voyez. Je porte mes choses. Moi, vous voyez pas avec les colliers, les choses sur moi ici tous les jours. Hein? Je couds les vêtements que je porte moi-même. Je porte. Hey, pardon. Ça ne va pas. Je couvre la vitrine là. Donnez-moi le chapeau, les porte-moi. Pardon. Un point. Ça me plaît, moi. Je lave mon corps avec. Comme on disait. J'avais une grand-mère. Je n'ai même pas le sommeil la nuit. Je me prépare encore un peu. Que bébé dorme un peu plus. Mamie, j'ai parlé. J'étais indexée. Tu viens te justifier chez moi. C'est entre toi et toi. Je n'étais pas moi indexé, oh mamie. On n'est pas une séance de 1 à 1. J'attends que ton enfant ait 5 ans. C'est ta vie, c'est ton argent. Tu fais tes choses, ça marche maintenant. Est-ce que tu vas m'appeler pour me dire que prends même 50 000 euros là? Non. Reine Foster, je cherche la couturière, mamie. Coach en couturière. Avec quelqu'un qui fabrique les objets, là, les bracelets, les trucs. On a une branche de l'entreprise qu'on a ouverte. Et la personne qu'on a trouvée, elle a encore changé la vie. Les filles qui me suivent, mais elles sont indécises comme tout là. Avec vos grosses têtes paresseuses. Paresseuses filles. Je vais te suivre. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Ni, 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 ni. On te donne une opportunité. De ta grosse tête. Paresseuse. Vous êtes paresseuse. Machala. Mais je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. Où on part à la banque, on retire l'argent avec entrepreneur. Oui, j'ai mis l'encens devant moi ici. C'est ça qui fait la fumée. On ne cache pas l'argent de la machine avec entrepreneur. Je suis coach. Je suis coach. Entrepreneur. Les gros mots que vous sortez sur nous, mais non. Moi, je veux le concret. Ne viens pas me postuler pour un boulot. Tu m'impressionnes avec les costaud mot. Je suis entrepreneur. J'ai été freelance. 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 Je prends un de mes employés que j'ai coaché pendant 6 mois. Il te dépasse. Il te dépasse. Vous êtes paresseuse. Je suis désolée pour mes followers, mais vous êtes paresseuses, les filles. Vous avez des excuses à la con. Je me prépare. Tu as la nourriture? Je vais bien me préparer avant de revenir. Synonyme de pauvreté. Synonyme de peur. Certains parmi vous, ce n'est même pas que vous êtes pauvres. Vous avez des excuses à la con. Je vais me préparer. Je vais me préparer avant de venir. Je ne vais pas venir maintenant. J'ai consulté une ce soir. Elle vient me dire. Je veux qu'ils me disent tout. Oui, les ancêtres, dites-moi ce que vous attendez de moi. Et que toi-même là, tu crois que tu es dans la cour du roi Péto ici?
Tu crois que tu es dans la cour du roi Péto? On te parle 50 choses. Je connais, je sais. Tu n'agis pas sur ce que tu sais. Tu attends quoi d'eux? Vous allez, vous savez déjà ce que vous devez faire, mais vous ne faites pas. Je vais d'abord, j'attends d'abord. Moi, ne me parle même plus. Ne m'écris plus en inbox. Ne m'écris plus inbox. Tu as compris, non? Tu te reconnais. Ta petite soeur styliste, hey, vous êtes à Yaoundé. Non, je suis à Douala. Mon magasin est à Douala, mamie. Je ne veux pas les filles paresseuses. Je suis fatiguée des filles paresseuses. Tu as l'enfant. Et même pitié de l'enfant là, non. On te donne un boulot sérieux. Parce qu'on va te discipliner dans le boulot là, tu ne veux pas. Tu veux te lever quand tu veux. Eh, moi, je te chasse. Tu fais deux jours, je te chasse. Tu as compris, non? Je te chasse. Va faire ta paresse là ailleurs. Il y en a qui ont arrêté de me suivre pour mon plaisir. Pour mon bonheur. Vous avez dit que vous ne vous, vous identifiez pas comme mes followers. Et vous savez que vous êtes paresseuse. Que je la suis. Pardon. Paresseuse. Il y a une fois. Tata, tata, qu'est-ce qui peut m'aider? Je fais même la réduction sur le sel. Viens prendre le sel, tu pars avec, tu fais. Tata, tata, tata. M'appelez même pas tata. M'appelez plus tata. Tata, tata. Je l'appelle, je lui dis. J'étais dans le direct ici. Elle m'écrit. Elle dit qu'elle veut, elle cherche le boulot. Elle a entendu dans le live. Il vient donner ton CV. Je lui dis ça à 9h dans le direct. Elle vient déposer le CV à 15h. On l'appelle après, elle ne vient plus. L'autre jour, je cherchais couturière et couturière. Elle vient me voir jeudi, avant qu'elle voyage. On s'entend. Elle dit, tu viens commencer d'abord lundi de la semaine 6, c'est-à-dire aujourd'hui. Mon entreprise a des règles. Ne crois pas que comme tu me vois ici, là, c'est avec moi que tu vas... Tu peux travailler pour moi, tu ne me vois même pas. Donc, tu as des superviseurs. Et on a un règlement dans l'entreprise. Tu viens, tu fais une semaine, tu apprends le règlement de l'entreprise. On te teste. Hop. Tata est parti. Pour la deuxième fois. On l'appelle lundi que tu es où? J'ai écrit que je ne venais plus. Si tu me suis, désabonne-toi. Tu as suivi, non? Vraiment, là où je loue l'endroit, là, je paye la location chère. Vraiment, je vais arrêter là-bas pour me mettre un peu à la maison pour voir ce que je peux faire. On vous a vendu. Dans 6 mois, tu vas la voir tout en train de tourner comme ça, comme l'abeille qui part butiner les fleurs. Vous ne savez pas ce que vous voulez? Tata, oui, fais-moi une réduction, non? Fais-moi une réduction, non, tata? Ya! Yeah. Oh là là, c'est dommage. Je vous dis que j'ai vu la jeune fille là, que ça fait 5 ans que je lui montrais. Elle était toujours au même endroit. Elle me disait qu'elle payait 20, l'endroit là où c'était 10 000 le mois. Oh. Il y a 5 ans. À l'époque, elle avait 30 ans. Ça veut dire qu'elle a 35 ans aujourd'hui. 5 ans d'expérience dans le brisage du poisson. Elle n'a pas avancé. Amusez-vous, continuez vos vies là-bas. Restez, hein. Ne bougez pas. Vous aimez la facilité. La nonchalance. Tu te plains.
Dieu a besoin de ta participation pour t'aider. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne faites rien. Vous attendez qu'il fasse tout. Certes, on va dire, Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Dieu, c'est un Dieu qui recule, qui prend chez ceux qui ont été volés pour, ceux qui ont volé pour donner à ceux qui ont été volés. Je suis en colère, non? Ça me désole de voir que vous prenez toujours votre vie à la légère. Je vais être en colère pourquoi? C'est ta vie, non? Est-ce que c'est ma part? C'est la vie de qui? Il y a des gens qui me suivent ici, qui sont à changer de continent. Ils ont créé des entreprises. Ils ont lancé des projets. Ils ont su la voie pour devenir ministre dans leur pays. Ce n'est pas que j'enseigne mal, je n'enseigne pas mal. Je n'enseigne pas mal. Je voudrais vous dire que c'est un privilège pour vous de me parler. Il y en a qu'avant, vous étiez à votre disposition tous les jours. Maintenant, là, c'est chaud. Même ceux qui me payent n'arrivent pas à me parler. Même ceux qui m'ont payé. Parce que j'ai d'abord mes entreprises. Quand j'ai le temps, là, je suis rentré à la maison, il est quoi? Il est minuit, presque minuit. Il était en direct toujours à minuit comme ça. C'est des heures comme ça là, que c'est calme. Toute la journée, je bosse. Toi, tu es couché, tu as fait 3 sommeils depuis 18 heures. Tu dors quoi? Tu es riche. Tu as fait l'amour 4 fois. Continue. Dans le même direct ici, il y a les ministres qui me regardent. Il y a les futurs présidents qui me regardent. Sûrement, il y a les présidents de la République. Parce que je me suis dit un jour, dans mes réflexions, le président a sûrement TikTok sur son téléphone. Même les présidents regardent TikTok. Mais pas à votre fréquence, sinon pas trop le temps. Donc, un jour, le président de la baguette peut avoir son TikTok. Il tombe sur mes vidéos. TikTok, c'est la façon la plus rapide de manifester les gens. Je peux tomber dans le For You page du président de la baguette. Tu n'as même pas de page TikTok. J'ai consulté une femme aujourd'hui à Libreville. Souvent, elle vous gifle dans mes consultations. Tu viens même m'essouffler. Je te dis les choses qu'on t'a déjà dites. Oui, on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça. La prochaine fois que tu es gifé, je vais te remettre ton argent et te chasse. Oui. Je lui dis, tu dois être sur les réseaux sociaux. Tu dois faire un compte TikTok. Tu dois parler aux gens. À la fin, il dit, oui, ma cousine. L'autre jour, ma cousine m'a jeté le trépied. Elle m'a filmé. Elle a mis sur TikTok. Elle m'a dit qu'il faut que... Il faut que... Oh là là. Souvent j'ai envie de vous taper. Oh là là. Oui, elle m'a dit qu'il faut que je fasse TikTok. Tu n'as pas fait pourquoi? Oh, moi, je ne... C'est là-bas à la maison. Ouais, je vais avoir la chicotte. Ok, puis elle faisait la bouche comme tu fais là. Ya. Ibra, salam alaikum. Toi même si tu reçois quelqu'un dans ton bureau, elle parle comme ça là, tu vas dire que quoi? Hein? Oui, ma soeur m'a acheté.
Oui, elle m'a acheté un truc comme ça, là, ça ressemble à ceci. Oui, elle a filmé, elle a dit que je dois faire le TikTok. Tu n'as pas fait pourquoi? Oh, c'est là-bas à la maison. Moi, je ne veux pas. Vous là, hein? Tu viens me donner 80 000 pour que tu dises la même chose. Ça veut dire que même ma part là, je me suis essoufflé pour rien derrière toi. C'est comme ça que je ne consulte pas n'importe qui. Je vous dis généralement ce qu'on vous a dit. Les autres là vous ont dit, vous n'avez rien fait avec. Tu vois que c'est ma part que tu vas trop faire. Je voulais confirmer, je voulais que tout me confirme seulement. Je voulais seulement la confirmation. Oui, je veux seulement savoir. Oui, mon frère là. Oui. Mon frère là, il me fait quoi? Quand tu dis, après tu dis, je savais. Ne venez pas dans la consultation me poser les fausses questions comme cela, je vous dis. Je savais. Oh là là. Glowing, j'avais seulement arrêté la comédie. Hein. J'avais commencé la comédie. J'aimais trop la comédie. Parce que j'ai un sens de l'humour qui est bizarre, qui est caché. Je peux te voir et t'insulte. La prochaine minute, je suis en train de blaguer avec toi. Jusqu'à ce que tu dis que la femme, si. Tu me tapes, tu viens encore avec moi. C'est quoi? Oui. J'ai un humour bizarre. Oui. Je savais. Oui, tu payes le traitement alors. Non, je veux encore savoir. Dis-moi, ma tante là. Oui. Elle me veut croire. Ma mère m'avait dit que je suis une femme de l'or, hein, mais vraiment. Dis-moi, tu penses que quoi? Si t'es dit, tu vas faire quoi? On t'a dit, tu as fait quoi? Mais les esprits là, qu'est-ce que me volent? Ils me volent quoi? Les esprits me volent quoi? Je me cache, je plonge dans son énergie. Ce qui est assez essoufflant. Oui, c'est essoufflant. Oui, madame, voilà, vous devez faire ça. Vous devez écrire un livre. Oh, vous voyez vraiment. Oui. Tu venais me tester. Beauté. Vous voyez vraiment, ouais. La fête de livre aussi, j'ai commencé ça. Ça fait 6 mois. Mais après, j'ai laissé ça. Oh. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que vous me voulez? Et elle ne note pas, tu là, tu parles, elle n'écrit pas. À la fin, elle te demande encore, qu'est-ce que les ancêtres veulent de moi? Donc, tous les parents qu'elle dit cela, tu n'as pas suivi. Hein? Oh. Vous là, vous n'êtes pas facile, hein? Quand tu parlais, dis je connais, je maîtrise. Je connais. Oui, compose bien. Je connais ça. Street Pekin, bonsoir. Justine Eto, bonsoir. Takam, bonsoir. Vous ne voulez pas mettre sur l'assiduité? Les ancêtres, quand ils vous parlent, on ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. On vous dit ce que vous devez entendre pour grandir. Ce que tu dois entendre. Dis que tu veux encore. Hein? On te dit ce que tu dois entendre. Là, voilà alors ce que toutes les femmes me demandent. Est-ce que je vais encore me marier? Hmm? Est-ce que je vais encore me marier? Pourquoi les hommes me fuient?
Est-ce que tu peux m'expliquer? Quand les hommes viennent, pourquoi ils viennent quand on vous a eu seulement? C'est pas n'importe qui. Toi, le genre que tu es là, ce n'est pas n'importe qui fait ça à côté de toi. Ah! Il dit, il prend mon argent, après il part. On te parle, tu veux pas écouter, n'est-ce pas? Oui, je se sentais avec un homme là, le truc. Je se sentais avec un homme, oui. Mais vraiment, il a mangé mon argent, il a mangé mon argent. Vraiment. Ok. Depuis qu'il est parti là, on t'a dit que quoi? On t'a dit de faire quoi? Hein? Je comprends pas ce que les ancêtres veulent me dire. Je comprends pas. Vous faites semblant. Je ne peux pas rire quand vous consultez. Vous êtes têtu. C'est une chose qui me tente beaucoup, c'est vous taper souvent dans les consultations. C'est vous gifler même. Est-ce qu'il va encore rencontrer l'homme? Moi, j'aime aussi les câlins, j'aime aussi les caresses. J'aime quand on me touche. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Vous voulez manipuler les ancêtres pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Elles n'ont pas compris qu'elles doivent servir des nations. Je suis désolée. Et vous ne me manipulerez pas quand vous venez à moi. Je vous dis ce qu'il y a à dire. Je veux le chocolat, je veux le chocolat. On te dit qu'actuellement, ton énergie doit être utilisée pour aider. Tu dois être mentor pour beaucoup de personnes. Tu dois mentorer beaucoup de personnes. Takam, tu peux causer avec moi quand je suis libre. Je ne suis jamais libre. Mon temps est toujours occupé à faire quelque chose. Maintenant, si notre conversation va me donner de l'argent, c'est bon. Si ça ne donne pas, tu as compris, mamie. Avec tout le respect. Quand il n'y a rien à faire, je dors. Où je regarde Netflix. Mais mon temps c'est vide comme ça, je ne l'occupe pas avec les gens. C'est mon temps précieux. Ok. Quand je parle en termes de servir des nations, exactement ce que Elonga a dit. Si quelqu'un vous paye, que la femme qui est là est venue casser tes côtés. Tu vas rire jusqu'à ta femme a fini. Tout homme qui se mettra entre la mission de tes ancêtres et toi va être écarté. C'est très simple. Mais beaucoup de femmes sont encore dans la 3D où elles veulent plaire. Vous ne viendrez pas à moi pour que je vous dise ce que vous voulez entendre. I'm so sorry. I'm going to tell you the fucking truth. Je te dirai la vérité. Et beaucoup, vous voulez toujours montrer aux autres que vous avez fait et que vous avez. Je veux qu'on voit aussi, je veux aussi qu'on me prenne dans les bras. Tu sais combien de personnes souffrent parce que tu n'es pas connecté, chérie. Il est minuit, supposons que j'étais avec un chocolat en train de dormir ici, là. Je n'aurais jamais pensé à faire le direct. Pardon, le plantain allait trop être sucré. Le plantain serait trop sucré. Pourquoi je laisse un peu le plantain pour venir faire le direct? Tu as essayé d'enlever l'enfant sur le sein. Il suscite, il suscite. Il dit dans ma part. C'est comme ça. Le
pense que c'est dommage quand une personne sait ce qu'elle pouvait faire ou peut faire, mais qu'elle ne le fait pas. Miles Monroe appelle ça le potentiel perdu. Oh, t'as quand même... Quand tu dis avec quoi, ça veut dire quoi? Tu viens avec quel esprit? Parce que j'ai très envie de te bloquer. Quand j'ai envie de bloquer quelqu'un comme ça, là, I must do it. Ah, j'ai les doigts qui urgent pour bloquer les gens. J'aime bien ça. On doit être le plus éveillé possible, le plus concentré possible. Tu as besoin de ton focus, tu as besoin de ta concentration, tu as besoin de ton attention. Que les deux mains veulent se laver. Avec ta tête. Très peu de vidéos sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Très peu de créateurs de contenu calibrent les gens pour qu'ils leur regardent dans la direction de leur mission. Comme je disais à la dame qui est venue aujourd'hui en consultation, la mission de vie, on ne te donne pas la notice, on ne te donne pas le mode d'emploi. Je vais même dire à un moment que si on te montre tout dès le départ, tu iras dire aux gens. Tu vas partager avec l'ennemi. Te voilà dans le lit le soir avec le gars. Dieu m'a dit que. Dieu m'a dit que. Il jeûne. Il lit la Bible. Il écoute la voix des ancêtres. Il connaît même ce que c'est que la dîme. Spirituellement, tu es tellement avancé. Tu peux prendre les références avec quelqu'un qui ne connaît, qui ne fout, qui ne fait rien de ce que tu fais. Parce que ce sont des actes qui te connectent. Ce sont des actes qui te connectent. Et ça te protège. Nous sommes protégés par nos actes. Il y a un passage de la Bible qui parle des vierges. 10 vierges sont sorties. 5 n'avaient pas de carburant. Elles n'ont pas pris le pétrole. 5 autres ont pris le pétrole. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact de femmes qui avaient pris et qui n'avaient pas pris. Tout ce qui est ce qu'il y avait des vierges, il y a une partie qui avait pris, il y en avait qui n'avaient pas pris. Quand elles arrivent, après avoir fait une égale distance, le carburant d'une partie est fini. Elle se tourne, ouais, donnez-nous aussi, non. Les autres étaient prévoyantes. Nos actes influencent directement notre protection spirituelle. Directement. Protection, ce qui sort de votre vie, nos fruits. Nos fruits sont impactés par nos actes. Et Jésus a dit qu'on le reconnaît, on les reconnaîtrait par leurs fruits. Faites attention aux personnes qui arrivent. Moi aussi, je suis une femme de l'heure. Moi aussi, je sers les ancêtres. Moi aussi, je sers Jésus-Christ. Moi aussi, aussi comme qui? Tu as l'air fatigué, c'est normal. Il est 12h12. Fuck. Tu as l'air fatigué. Tu veux que je sois en train de sourire comme s'il était 7h du matin? Tu as l'air fatigué. Sois fatigué, mais fais ce que tu as à faire. F. Tu vas aller fatigué. Il est minuit 12, ma chérie. Les excuses que vous avez.
Réfléchissez. Réfléchissez. Think. Fatigué. Fatigué, c'est quoi? Je préfère être fatigué et j'ai l'argent au lieu d'être en forme et pauvre. Poverty is not somebody's friend. Jésus. Poverty. Poverty is wicked. Tu restes si tu n'as pas l'argent. Tu vois comment les gens achètent les poussettes à leur bébé. Les gens ont les biberons Gucci. You don't have goals in your life. Tu n'avais pas les objectifs. Aucun prophète n'a été content d'accepter sa mission. Pardon. Content ou pas? Je ne vois même pas la contentise dessus. I don't see like that, you know. I don't. I see it as a duty. I have to perform. Okay? I have to perform. Comme un artiste qui a déjà booké un concert. On est dans la salle, on l'attend. Qui sent ou ne sent pas, il doit se pointer pour faire le concert. That's what duty is. C'est ça le devoir. Votre public vous attend là-dehors. Votre public vous attend. Vous avez des excuses. Un jour, c'était en 2018. Il y a la dame qui a permis qu'on légalise l'avortement en France. Elle s'appelle comment? C'est quelque chose de Veil. Qui connaît son nom? Elle s'appelle Veil quelque chose. V-E-I-L. Simone ou bien Nicole ou bien... Qui connaît Veil? Qui connaît son nom? Oh my goodness! Je ne savais pas que j'avais je me rappelais son nom. Oh my God! J'ai quand même la mémoire. I'm good. I'm good. Donc, je pensais que ma mémoire était un peu partie. J'ai vu les hommages qu'on était en train de payer à cette dame. They were paying tributes to her. Et elle avait des obsèques qui étaient fabuleux. Il y avait vraiment tout un tas de choses qu'on lui disait, qu'on lui donnait, des accolades et tout ça. Et je me rappelle, j'avais plein de choses qu'elle faisait en France. J'avais des Airbnb, je vendais de la nourriture, j'avais mon bureau que je gérais, j'avais plein de choses. That's for me, like, juste moi. Donc, en passant devant la télé, je me dis, arrête-toi, regarde. Je vois comment le président de la République vient lui donner des honneurs. Je vois comment la cause qu'elle défendait, ce n'est pas le sujet de mon direct. Ok? Elle a permis qu'on légalise l'avortement, un truc dans le genre. Ce n'est pas mon, like, that's not my business. Mais, le message que j'ai reçu à ce moment, c'était, le jour où tu partiras, les gens remercieront Dieu pour ta vie. Et tu auras les honneurs comme cette personne. Je n'ai pas encore fait de lecture depuis, mamie. Oh, you know. Si mes directs ne t'intéressent pas, il faut attendre un peu. Ok, chérie. Mes directs sont plus importants que les lectures de cartes. Donc, en 2018, je n'étais pas encore connue. J'avais 5 ou 6 000 abonnés sur ma page. Et je me rappelle, en 2017, je me suis mise en relation, je suis allée me marier au Cameroun. Je suis venue me marier au Cameroun, je suis au Cameroun, you know, I'm in Africa now. Et quand je me séparais de mon ex-mari, je lui disais que je ne sais pas encore comment. Mais je sais qu'il y a des vies là-dehors que je dois impacter. C'était, it was a deep calling inside of me. It was very deep. C'était très profond. Quand en 2018, je regarde la dame à la télé, je regarde ses obsèques. Et Dieu me parle. Vous devez ayez des... Dieu doit vous parler. Avant que quelqu'un vienne prophétiser sur ta vie, que Dieu t'a parlé. Et Dieu t'a dit les grosses choses. God has to tell you big things. Oh, Dieu m'a dit que j'aurai la Toyota. Dieu m'a dit que je vais voyager pour aller à Fondjombo.
God must tell you big things. Oui. Ah, pas de coaching. Pas de coaching. Qui es-tu? Beau sourcil, nicely cut and traced. Hmm? Vous connaissez les trucs qu'ils font avec la lame, ça fait mal, point, 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 là, non? Oui. Ça, c'est mes sourcils à 50 000. C'est bien comme tu as remarqué. Il y avait 200 femmes ici qui n'ont pas vu papa. Vraiment, la paix sur toi. Ça fait la fête tellement mal. C'est comme ces gens qui font ça sont les I don't know. C'est comme si elles enjoy faire la douleur aux gens. Tu as l'œil. C'est parce que toi-même, tu doutes de toi. Continuons. Quand Dieu m'a montré et m'a parlé de moi-même, ça fait mal, mamie. Tu mets le point d'interrogation dehors. Hein? It hurts. It fucking hurts. Ça fait mal. Imagine, on prend les lames, non? Les lames de rasoir. Deux ou trois lames. On prend, on tu vois, si on a déjà blindé quelqu'un ici, il connaît de quoi je parle. On prend la lame, on fait zzz, zzz, zzz. Je sens encore la douleur quand elle touche comme ça, là. Chaque trait, regardez. Chaque trait, c'est la lame de rasoir. Tu vois, les traits noirs que tu vois là, non? C'est la lame de rasoir. On a l'anesthésie là, c'est le ré. Il a anesthésie quoi? On met la crème sur ça, après te touche, ça fait toujours mal. Qui t'avait ça? Il ne veut même plus qu'on m'anesthésie. C'est le ré. C'est le ré. C'est l'escroquerie. On prend la lame et dit que chaque trait que vous voyez ici, c'est pas mes cheveux, c'est pas mes sourcils. Les traits que vous voyez noirs là, c'est la lame. On te blesse, on met l'encre dedans. That is what it is. Regardez. Tout ça, c'est pas mes cheveux, hein, ma chérie. It's not. On te blesse, après on met la lame dedans. On met l'encre dedans. L'autre dit que... On a voulu dire, mais comme on ne maîtrise pas trop la dame qui est là. Donc, casse ta tête. Ouais. Ce soir, je ne sais pas qui est là, mais continuons. Je reviens à ce que Dieu m'a dit. Non, la dame, si elle est ici à Libreville. Elle s'appelle Soussou. C'est une Libanaise, je pense. Oui. Ça m'a pris du temps pour la trouver, mais it's worth every penny. Premier coup, c'est 100 000. Elle touche tes soucis, 100 000. Après, tu reviens quelques minutes à 50 000. I was like, this is what I'm talking about. Elle ne blague pas. Merci, bien fait. Ok. Donc, ok. Chapitre des soucis fermés. D'accord. Merci à ceux qui ont dit que c'est beau. Donc, quand le Seigneur me parlait de ça, je vous ai dit que écoutez les prophéties divines qui vous. Like, how do I say that? Les prophéties qui vous. Oh, tu auras la Toyota. Je ne sais pas quel Dieu est en train de parler, mais bon. Normalement, au bout de 4 semaines, je peux aller refaire. Mais je fais généralement 6 semaines parce que je viens à Libreville tous les 3 semaines, je viens, je pars. Donc, au bout du deuxième voyage, je fais. Donc, 4 semaines, normalement, c'est bon. Donc, quand j'ai écouté ça à l'époque, je n'étais pas connue de personne. Et pour être honnête, je voulais me lancer. Je voulais me lancer. Je ne trouvais pas, je ne connaissais pas encore ma voix. J'ai fait de mission de vie, si c'est récent. Hein? La spiritualité africaine, ça fait 3 ans que j'enseigne. Avant ça, j'étais d'abord évangéliste Jocelyne. Tout ce que je savais, c'était que j'avais découvert quelque chose dans la spiritualité. À travers Jésus-Christ, et je voulais partager avec les gens. Après, ça a évolué. Je me suis appelé pasteur Jocelyne. Après, ça a évolué. Je me suis appelé maintenant reine Jocelyne. C'est là que je me suis assise. Like, this is me. Like, I was fitting into that now. Parce que je pouvais reconnaître mes ancêtres dans ça.
je pouvais. Voilà la Vierge Marie. Voilà mon chapelet. Voilà le chapelet des musulmans. Voilà les courriers de mes ancêtres. Bonjour, Kaksou, comment ça va? C'est là que j'étais à l'aise. Être dans ce genre de situation, c'est un peu délicat parce que quand j'arrive à l'église, on voit les courriers sur moi, on me fuit. Je ne vais pas au village, on voit Marie sur moi. C'est pas qu'on me fuit, moi, mais on se dit. Vous voyez un peu, non? J'ai découvert les pouvoirs de l'eau. Et j'ai découvert les pouvoirs de l'eau. Vous savez, c'est au Gabon, Bénin. Le Bénin est très spirituel. Je me rappelle la fois où je suis allé au Bénin. Le Bénin, pour moi, était un peu. C'était un peu comme Kinshasa. Ça m'a un peu secoué. J'arrive au Bénin. Au Bénin, soit quelqu'un est totalement traditionnaliste, soit il est totalement chrétien. Et c'est fou parce que ça vient avec une puissance. C'est là que tu peux voir un traditionnaliste avec toute la puissance. Là que tu peux voir un chrétien avec toute la puissance. Et ils ont tendance à... J'ai des endroits au Bénin où je partais parce que j'avais des courriers sur moi. Un jour, j'ai trouvé un endroit où on vendait des produits spirituels. J'ai eu l'impression qu'ils ne voulaient pas me vendre les produits parce que c'était des produits catholiques. Parce qu'ils ont vu, je crois que je portais quoi. J'avais, à l'époque, je sais pas à l'époque, ça fait trois mois, ça fait deux mois. Il y avait un esprit musulman sur moi qui faisait que je peut-être qu'elle mettait que les voiles sur moi. Donc j'étais habillée comme une musulmane. Roger, bonsoir. Donc, j'avais à peine, je crois que j'avais soulevé le voile pour aller leur parler. Et c'était aussi la période où je mettais le voile où on voyait que mon. Je sais pas comment ils appellent ça, c'est là-bas. Je voyage avec ça, donc parfois je mets. Donc. Et un soir, je reste comme ça. Quelque chose me dit, sors de l'appartement. Parce que j'étais logé pas trop loin de la maison du fils du président. Le fils du président béninois est en train de construire sa maison. Ceux qui connaissent le quartier. Donc, l'appartement où j'ai logé était en face de son chantier. Donc, je reste la nuit là. J'avais pas envie de rester à l'appart. Je voulais pas. Je marche dans la rue. Je cherche un restaurant. Je marche, je demande. On m'indique un resto. Je tourne au coin d'une rue. Et je vois un monsieur me voir. Il vient vers moi, vigile. La burqa. Oh, merci, tata. Merci. Il vient, dit. J'ai été attiré par ta lumière. Je ne sais pas, mais je sais que tu as quelque chose qui va m'aider. Je vous assure, j'avais mon dop sur moi. Je n'avais rien mis de spirituel, sauf mon dop. J'avais rien, aucun de mes bras. Je n'avais rien. Je marchais, je partais manger. J'ai passé les 15 prochaines minutes à prophétiser sur le monsieur. Ces anges ont commencé à lui parler à travers moi. Je vous assure qu'il s'est agenouillé devant moi. I was like, oh my goodness, this guy is freaking me out. Et il n'y a qu'au Bénin que tu peux voir les gens aussi extrêmes. Quand ils voient quelque chose en toi, c'est un peu comme s'ils ont cette... Ils savent reconnaître quand ils voient quelque chose. Le Camerounais va reconnaître, après il va faire... N'est-ce pas? Vous voyez un peu. Voilà. Donc, et je me rappelle le lendemain, j'étais en direct, il est venu, j'ai prié pour lui, j'ai béni une huile, je lui ai donné, il est parti, je suis sûr que ça l'a aidé. Dans l'affaire de spiritualité, si, il y a les étapes, voilà, il a dit, en tant que béninois, je sais reconnaître. Moi, je suis camerounaise, j'ai grandi au Cameroun, après j'étais en Europe. J'ai fait trois pays en Europe, habité dans trois pays, mais découvert plusieurs autres. Et après ça, je suis revenu au Cameroun. Donc, mon éveil a commencé en Europe. Ma spiritualité africaine, c'était en Afrique. J'ai rencontré un guide, je parle souvent de lui, un guide camerounais qui a été initié au Ghana et qui vivait au Ghana. Je sentais déjà l'appel de la spiritualité africaine, mais j'avais peur. Parce que ma mère est morte très tôt. Et ma mère, c'est 15 ans après la mort de ma mère que je découvre les pouvoirs de ma mère. Aussi fou que ça paraît. Ma mère, bon voilà, elle était jumelle. Et ma mère était très intuitive.
Prêt. Mais pourquoi tu ne peux pas apprendre à lire les cartes? Les identités spirituelles de chaque pays. Quand je me mets ici pour enseigner, c'est ce qu'ils me disent d'enseigner que j'enseigne. Donc, si un jour ils commencent à parler de ça et que je sens le truc, je vais parler. Ok. Donc, c'est quand je commence en 2021 et que j'accepte la spiritualité africaine. Déjà en 2016, j'avais commencé à canaliser l'énergie de ma mère. J'avais découvert Abraham X, qui nous montre qu'on peut parler aux morts. Donc, les chrétiens sensibles, s'il vous plaît, abstenez-vous. On ne parle pas aux morts, on n'a pas le droit de contacter les morts. Abstenez-vous, s'il vous plaît. Les morts parlent. Donc, en étant encore catholique, quand ma mère est décédée, j'étais catholique. Donc, la première fois que ma mère m'approche, je me dis, oh! Et toutes les 8 à 10 années qui suivent, chaque fois que ma mère essaie de me contacter, elle me dit, ah! Je me réveille, je prie, je la chasse, et tout ça. Donc, une fois en 2016, j'étais dans un écart de folie. J'avais eu un gourmand ecclésiastique. Pas de coaching, il n'y a pas de dès que je peux. Tu as suivi. Fais-le. Tu tombes, tu te cognes la face, mais bon, tu te lèves. Quand je suis arrivé en Afrique, mes 2 premières années, c'était le fiasco. Je mourais d'envie de rentrer en Europe. I was like, quand j'ai un petit obstacle, je dis, je veux rentrer. Petit obstacle, je veux rentrer. Jusqu'à ce que peut-être après 24 mois, je dis totalement que je ne rentrerai. Donc, j'arrête de vouloir rentrer en Europe. C'est là qu'ils ont pu travailler avec moi. Donc, ça c'était en 2016. J'avais eu un gourmand ecclésiastique. Je suis tombé sur Abraham X. J'ai commencé à apprendre. J'ai un don prophétique à la base. Donc, quand j'étais à l'église, prophétesse ceci. J'avais ce don prophétique. Prophète et enseignante. Donc, je commence. J'avais l'habitude de me lever très tôt. J'allais dehors marcher dans les herbes, je me connectais à la nature et je canalisais l'énergie. Donc je reste juste là. Un jour, j'entends ma mère dire, elle commence à parler. Et généralement, quand j'étais dans cet état-là, je m'entraînais encore à écouter leur voix. I was still training myself. C'est en étape. Donc, parfois, vous pouvez écouter leur voix à certaines heures, mais quand vous vous entraînez bien, à tout moment, vous pouvez les écouter. Vous pouvez vous canaliser pour écouter. Voilà, donc... J'entends ma mère commence à parler, j'enregistre ma voix. C'est-à-dire quand je sors de cet état, depuis quand la femme prophétise, je t'envoie des bisous et je te bloque. Abraham X te débloque, Abraham X te libère. Quand je l'écoutais, je vous assure, la première fois je tombe par hasard sur son livre, je fais un gourmand ecclésiastique, je quitte l'église. La semaine qui suit, 2-3 jours plus tard, je me balade à Sutton Coldfield, à Birmingham. Je me balade dans les magasins. Je tombe sur un livre qui porte le nom Abraham. Et je me dis, ah tiens, peut-être c'est lié à la Bible. Et c'était Abraham X. C'est comme ça que je tombe sur Abraham X. Leurs enseignements me font quelque chose sur le corps. Ça, it triggers something in me. Ça, like, je lis, ça me... Et ça déclenche un truc en moi qui est trop fort. 2 jours plus tard, je jette le livre. J'ai 2 fois où j'ai jeté des enseignements comme ça. Il y a un monsieur qui a une barbe blanche comme ça là. Il a les cheveux blancs. Il est très... Il parle posément. Je vais chercher son nom. J'ai un ami qui l'écoute énormément. 2e fois que je jette un livre, c'est au Cameroun en 2019. Je suis encore dans une phase d'éveil spirituel. Je vais à la FNAC. Je marche comme ça là. Je tombe sur un livre, ça coûtait 19 000 et quelque chose. C'est pas Sadhguru. C'est pas le Sadhguru. Sadhguru, je connais bien. C'est pas le Sadhguru. Je tombe sur le livre, je tac, je le prends. J'ai lu le livre là. Ça questionnait tout ce que j'avais connu, tout ce qu'on m'a enseigné sur Jésus. Parce que les enseignements de Jésus sont purs. Mais si tu le laisses lui-même te les révéler. Essayez un peu aujourd'hui. Krishnamurti, je crois que c'est lui. Essayez un peu de nos jours, vous partez
écouter la Bible d'une oreille beaucoup plus retirée. Écoutez. Oh, je pense que Abraham X était As and It Is Given. Neil Donald, non. Eckhart Tolle, non. Je les ai écoutés plus tôt. Mais leurs enseignements ne m'ont pas secoué. Eckhart Tolle, il a participé à mon éveil. Neil Donald, c'est lui qui a parlé de les conversations avec Dieu. Conversations with God. Oui. Abraham X, je pense que c'était demandez et vous recevrez. Ask and it is given. Oui. Je vous assure, je lis le livre, ça secoue tout ce que je connais. Parce qu'on repose tous sur quelque chose. We all stand on something. Our belief, nos blocages et nos croyances. Nos blocages viennent de nos croyances. Et nos croyances reposent sur quelque chose qu'on sait depuis, qu'on entretient et qu'on garde jalousement. C'est pour ça qu'à l'église, jamais ils disent, n'écoutez pas d'autres choses. Ok? Restez juste concentrés sur ce qu'on vous a enseigné ici. In a way, it's a blocking. Donc, si je n'avais pas eu ce gourmand-là, je ne me serais pas tourné vers autre chose. Et quelques jours plus tard, je suis encore en méditation. C'est le père de ma colocataire. Elle était italienne. Son père parle. Son père était mort, ça faisait peut-être un mois. Je dis, what the F is this? J'enregistre la conversation. Le soir qu'elle rentre du travail, elle était serveuse à l'époque. Le soir qu'elle rentre du travail, je lui fais écouter la conversation. Le message. Elle commence à pleurer. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, il y a des détails il y a des choses qu'il dit ici en détail que je n'ai partagé avec personne. Donc je sais que c'est mon père. Et venir exposer ce qu'on t'a dit, ce qu'un esprit t'a dit à quelqu'un, c'est très privé. Parce que you're facing rejection. Tu fais face, tu t'exposes à un rejet. Et le rejet peut, beaucoup d'entre vous, vous avez arrêté parce que le rejet que vous avez reçu vous a bloqué. Et parfois ce rejet, ça a fait que vous n'avez plus voulu explorer plus loin. Je t'ai dit non. Je vous ai parlé souvent de cette dame que j'avais connue pendant le corona. Donc, on m'a dit vers avril-mai 2020. Son mari était parti se soigner en France et il est resté là-bas. Il est décédé. Donc, quand il est décédé, elle savait les factures, tout ça. Donc, je cherchais un duplex à l'époque pour louer. Je tombe sur elle. C'est comme ça qu'on s'est connus. Deux, trois mois plus tard, non, attends. Si on s'est connu en avril ou en juin, ma dépression, c'était en janvier. 6 ou 7 mois plus tard, je suis couché le matin, là, juste dans ma dépression. Hein, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas... laissez-moi. J'entends son mari parler. Il me dit, dis ça à ma femme. Et là, je veux dormir. Je change de position. Dis ça à ma femme. Au bout de quelques secondes, je dis, ok, c'est bon. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Généralement, c'est, ils te prennent dans un état où tu es moitié endormi. Like, quand tu veux te réveiller là. Like, I don't know if I... Je vais presque dormir ou je vais presque me réveiller. Like, you know. Dans la journée, je lui envoie le message en me disant, je ne sais pas ce qu'elle va penser de moi. Like, tu rencontres une jeune fille, vous sympathisez. Tu dis que ton mari est mort et quelques temps plus tard, elle t'envoie un message dans son mari qui dit, lui envoie le message. Oh my goodness. Il a ajouté qu'avec ça, je lui donne de l'argent. Je crois que je lui avais donné 50 000. Elle manquait de l'argent à cette époque. Je lui envoie l'argent et j'envoie le message. Oh my goodness. Les pleurs. Elle me répond en pleurant. Merci comme tu as donné le message, là, ça me calme. Depuis une semaine, dans le message, il disait qu'il faut que tu fasses attention à ton cœur. Et c'est que depuis une semaine, elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'elle a des problèmes de cœur. Que si elle pense trop à son mari, elle va avoir des problèmes de cœur. Donc il faut qu'elle arrête. Elle a encore pleuré. Pleuré. Donc vous aurez des occasions, parfois isolées. Oui, il y a des personnes qui l'ont souvent mal pris. Et surtout quand j'ai des attaches émotionnelles avec les personnes à qui j'ai donné le message.
Parce que tu sais que j'ai une amie, une fille avec qui j'ai grandi. On a grandi dans le même quartier. Et je suis sûr qu'elle est une célébrité maintenant. Parce qu'en 2019, quand je suis rentrée au pays, elle était déjà en train de prendre son... Elle montait déjà. Elle faisait le make-up et tout ça. Donc, on se reconnecte. Waouh! Et, you know, I don't know what friends will think about spooky girls. Like, I'm kind of... Je suis un peu bizarre comme fille, comme amie. Ah! Seigneur, ils sont en train de parler. Quand mon nez démange comme ça, là, ils sont très présents. Donc, vos rêves arrivent à ce qui se réalise. Ok. Miyasi Soko. C'est un plaisir de te parler. Donc, je me reconnecte avec la jeune fille. Je viens d'arriver de Mbeng et elle est contente. Et voilà, on se connecte une fois, deux fois. Après, on a fait le toque porte sur elle au village. Elle revient à Douala donc. Un matin, je me levais beaucoup vers 4 heures pour prier ou écouter la voix. Ce qu'ils ont à me dire, je notais. Donc, un matin, je suis là, je suis couché. Parfois, je dormais sur... Je crois que je venais d'aménager, je n'avais pas encore le canapé. Je n'avais pas encore le matelas. J'étais sur les chaises. Parce que ce que je faisais, c'est que j'alignais mes chaises, je dormais sur ça. Calmement. Donc, et là, ils me disent que relève le message si pour elle. Relève le message si pour elle. Je prends le truc, donc. J'enregistre. Après, il dit que, hé, maman, on vient de se connecter. Si j'envoie le message à la fille, elle va dire que quoi? J'envoie. Dès peut-être 5 heures, je lui envoie le message. Tu vois, tu checkes dans la journée, est-ce qu'elle a lu? Est-ce qu'elle a lu? Je vois qu'elle a écouté le message, elle n'a pas réagi. Le soir, peut-être vers 20h, 21h. Elle me dit, moi, je ne crois pas au truc comme ça. Hein. C'est très délicat parce que je l'ai carrément bloqué, hein, parce que je me suis sentie très... I don't know how to say that, you know. Je te suis depuis 7 mois et je le trouve dans beaucoup de choses. Ok. Tu étais triste, Angela. J'espère que tu vas mieux. Monsieur Botchafter. Botchafter. J'ai toujours l'impression que je te connais, Monsieur Botchafter. Tu ressembles à un ami d'Allemagne. Mais bon, comme tu as dit que ce n'est pas toi, ça va. Christy Bell, bonsoir. Donc, ça m'a fait tellement... Like, it was very weird as a relationship. Les gens se font passer pour moi et ils envoient des messages aux gens. Je vous dis tous les jours dans mes directs, je n'envoie pas les messages aux gens. Ce sont les arnaqueurs qui prennent mon joli visage et ils vous écrivent avec. Et ils vous harcèlent pour que vous envoyez. Oui, vraiment que moi là, je vais vous harceler pour l'argent. Hein? Eh ma chérie, réfléchis aussi, non? Et que je ne suis pas humble. C'est quoi le but de ce direct? Moi, j'ai envie de te bloquer. C'est ça mon but. Donc, je te bloque. Tu éternues depuis le matin. J'ai vu, j'avais aucun commentaire sur tes éternuements. Voilà. Quelque chose t'a plu dans la nuit. Bon, je ne sais pas. Moi, elle m'a dit, moi, je ne crois pas à tes trucs-là, les trucs comme ça. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas dans ça. Ça m'a fait tellement bizarre. Et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais reparlé. Ça fait 5 ans. Et je leur dis toujours, pourquoi vous me dites des choses sur quelqu'un et vous savez que... Soyez sage et bloquez ces personnes. Ce n'est pas moi. Je n'écris pas aux gens. Je ne suis pas là pour interpréter vos rêves non plus. Ok. Tu aimes celle qui est là. Mon
mon but c'est sur le direct, c'est pas que vous m'aimiez. Tu me suis non. Si tu me suis, si tu m'écoutes et je te caresse dans le sens du poil, le but ne sera pas atteint. Si j'étais toujours gentil avec vous, vous ne seriez nulle part en avant dans votre vie. Je ne suis pas conçu pour être gentil avec vous. Ok? On se fout des mamans qui sont gentilles. Autant mieux que tu sois sévère. Au moins tu as été sévère. Je sais que de nos jours, vous aimez beaucoup vous aimez là qu'on vous caresse dans le sens du poil. Exactement, ceux qui prennent ma photo pour vous arnaquer, quand ils voient que vous êtes éveillé, ils se fâchent et vous insultent. Oui. Oui, oui. Ils vous insultent. C'est à vous d'être sage. Il est minuit 44, ça fait une heure que je parle. Donc je sais que vous pensez que je n'ai pas eu c'est pas à tous les coups que ce que j'ai pu. Et le pire, c'est que ces personnes qui vous disent souvent que non, ce n'est pas ça. Ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Dans leur cœur, ils savent que ce que tu as dit, c'est ça. Mais ils ne veulent pas paraître bizarre. Ou bien, parfois aussi, il y a une jalousie, genre, si elle lui dit que ce qu'elle a dit, c'est ça, elle va se prendre la tête. Parfois, il ne veut pas que vous preniez la tête. Ouais. Genre, si elle lui dit que sa prière m'a aidé. J'ai un ami, je m'appelle Distinct. Ensemble. Et quand elle est rencontrée, elle était dans une basse position dans l'entreprise dans laquelle il est. La semaine où je rencontre le gars, il m'aide à trouver un local que je cherchais. La même semaine, le nombre de deals qu'il a trouvé, ça fait au moins 8 mois que je le connais. Il a été promu au travail, il touche 3 fois plus que ce qu'il touchait avant, en 8 mois. Aujourd'hui, il est venu me voir et puis il était genre, vraiment tout ça, c'est moi. J'ai dit, vraiment, j'ai ri. Ça faisait 8 ans que tu étais dans ta situation. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas parfois accepter que vous avez fait quelque chose dans leur vie. Je ris seulement, il dit, c'est à votre détriment. Je ne veux même pas qualifier ça. Ah bon, ça fait de moi une personne spéciale. Oh, waouh. J'ai ça, ma mère avait ça, ma fille ne l'a pas. Ces personnes-là savent que si elles vous avouent, ou bien si elles disent, un temps soit peu que, c'est à cause de... C'est depuis qu'elle était rencontrée. C'est depuis qu'elle... Les agents de lumière, vous n'êtes pas fait pour être reconnus. Rigose, here I am. On ne doit pas vous reconnaître tôt. Vous suivez. Et votre récompense ne vient pas des humains. C'est une chose que vous devez noter. Vous attendez qu'on vous récompense. J'ai vu un TikTok l'autre jour, ça c'était ce matin. Et la dame disait, quand on sort de ta vie, on ne te maudit pas. We don't curse you. C'est juste qu'on est quitté avec notre protection. I was like, girl, you are so on point. On sort avec notre protection. J'ai un ex là qui aimait trop
me tenter. On se sépare au moins 4 fois avant de faire définitivement la séparation. Chaque fois qu'on se séparait, il retournait dans la boue. Donc ces gens, on se sépare pour 3 mois. Je pars le trouver là où je l'avais rencontré au départ. Avec Wetty Bidis. Après qu'on a voulu se séparer encore, je dis que comme tu es en train de partir, dans 2 semaines, tu vas te trouver, se rendre à le trou. Faut pas venir parler. Ah, au nom de Jésus, je ne tomberai pas dans le trou. Je dis, ah, je n'étais pas moi maudit. Et ça m'a dit que comme tu quittes derrière moi là. Et là, elle disait, c'est juste que notre, quand notre présence part, notre protection part. I was like, oh, Jesus. Jesus. This is so true. Karel, bonjour. Il y a des membres de votre famille que votre présence dans leur vie les couvre. Il y a des employés que j'ai. Après, ils me méprisent, je les regarde. Je ris. Quitte un peu. Fais un peu, je te renvoie ou tu démissionnes. Pas pour 3 mois. Tu vas retourner dans le gotha. Tu écris long texte comme ça là, que qui va lire tout ça? Eh, Mengara. Non, c'est trop long. Moi, je ne peux pas moi lire tout ça. Non, mamie, c'est beaucoup. Je sais que tu es une jeune gabonaise, tu vas te connecter à tes ancêtres. C'est tout ce que j'ai vu. C'est beaucoup. Moi, je ne peux pas moi lire. Je n'ai même pas porté mes lunettes. Pardon, il faut me laisser. Qui va lire tout ça? Tu me mets à l'école? Non, je ne veux pas lire. C'est là que j'ai compris. Souvent, tu prends quelqu'un. Quelqu'un vient et dit, travaille sur moi. Eric Kamgan. Tu dis que l'autre, tu l'as lavé. Un idiot qui utilise votre photo ce matin au point... Il a juré que je passerai une mauvaise journée. Waouh! Et voilà que tu as plutôt gagné les sommes d'argent. Waouh! Donc la personne utilise ma photo. Il te contacte. Quand tu refuses, les gens ne savent pas la malédiction qu'ils sont en train de porter. Un jour, on a arrêté un de ces arnaqueurs-là. Maman, fais-le voir la galère de la vie du gars. Ne me raconte pas tes rêves, mamie. Du coup, c'est Louis XIII là. Ne me raconte pas tes rêves, s'il te plaît. Tu me vois à minuit, à 1 heure sur le téléphone, en te lis tes rêves. Vous me laissez, pardon. Laissez mon imagination, c'est mon imagination. Leave my imagination. Let me be fertile in a good way. Vous n'avez jamais les bons rêves. Vous avez tous les rêves farfelus, poilus, non rasés. Quand quelqu'un vous méprise, il pense qu'il connaît. Vous le laissez partir. Il y a des personnes que le fait d'être... J'ai même les followers, que le fait que tu m'écoutes, c'est une protection pour toi. Tu ne sais pas. Fais un peu 3 semaines, tu ne m'écoutes pas. Disparais de ma page 3 semaines. Tu reviens me dire. C'est toi qui veux écrire le long texte. Maintenant, tu viens encore écrire le petit texte. Comment faire pour me connecter à mes ancêtres? Je ne sais pas. Tu as vu, été dit ici là que je me suis fait un truc pour me connecter à mes ancêtres. Tu leur parles seulement, tu te couches, tu dors. Ils vont te répondre la nuit. Parce que les ancêtres parlent, mais vous n'écoutez pas. Si vous savez le nombre d'entités qui veulent vous descendre mentalement, combien de personnes sont en train de vouloir manger votre cerveau d'abord? Quand tu m'écoutes là, ça m'a fait d'écouter ma voix. Ça te secoue. Il y en a parfois, on est en train de faire le direct comme ça là. Elle dort. Pendant que je suis en direct, elle a déposé le téléphone à côté d'elle. Après, elle se réveille, elle dit que j'ai rêvé. J'ai vu, tu es venu me donner telle chose.
Moi, je connais ce que je porte. Avec ou sans vous, je connais. I know. Et je connais ce que j'ai demandé à Dieu pour pouvoir aider les gens. Que Seigneur, donne-moi la capacité d'aider. Je connais. Les gens, quand tu finis de les écouter comme ça, là, tu es vide. Tu finis de les écouter comme ça, tu es confus. Que la vie, c'est même quoi? Que la vie, c'est quoi? On est pas vraiment mourir. Parce que je viens d'écouter quelqu'un qui n'est pas bien. Oui, le gars avait mis les photos dans mon téléphone. Il faut que je cherche. Tu m'as vu, tu ne m'as pas salué, non? Avec ta grosse tête. J'ai été vu. Tu m'as vu, tu ne m'as pas salué. Pourquoi? Les jeunes gabonais, que vous me voyez, vous faites comme si. Ne pas, ils mangent les gens. Oui, je marchais, un jeune là m'a filmé. Je n'ai même pas vu. Il l'a mis dans mon téléphone. Il faut que je regarde tout à l'heure là. Je vous ai vu. Tu me vois, tu ne me salues pas. Pourquoi? Tu étais dans le taxi. Il fallait crier. La lumière! Il fallait crier mon nom. Oui. Tu voulais descendre, mais il n'y a pas la place. Ouais, Seigneur, je vais faire quoi de vous? Hein? Pauvreté, ils se disent. Une fille m'a rencontré le taxi aujourd'hui à ici, là, à Libreville. Elle est au téléphone, elle me voit entrer. Elle dit, pardon, je ne fais même pas. Donnez-moi votre numéro. Il dit que mon numéro est sur Facebook et sur TikTok. Tu vois, quand tu m'as vu dans le taxi, là, tu dis, hey, pardon, t'as non. Elle a continué son appel téléphonique. Voilà. Sachez que si tu veux quelque chose, tu vas chercher ce que tu vas trouver. Si tu ne veux pas, même si on met devant toi, on met même dans ta bouche, tu ne vas pas manger. Donc arrêtez avec vos bêtises là. Je te cherchais. Ce n'est pas un coin, ce n'est pas un hasard. Mamie de luxe, je te parle quoi? Comme je parle là, tu n'entends pas. Au cas où, voilà. Pour moi, terminé avec vous. J'ai dit ce que je vais dire. Non, quand vous me voyez physiquement, moi, je suis pas. Physiquement, moi, je suis très gentil. Tu me salues, je suis très gentil. Je dis bonsoir, comment ça va? Merci. Je ne compte pas les gens dans la rue quand même. En tout cas, je vous sais ce que vous me servez. Moi, je. I just give you back what you give to me. Like. You give me sweetness, I give you sweetness. Tu m'ignores, je t'ignore. Mais de prime abord, je ne suis pas insolente. Non. Je suis juste un miroir. Je te reflète ce que tu me donnes. Mais du tic au tac, quoi. Tic au tac. Tic-tac. En faisant un tic que j'ai fait tac. C'est tout. Oui. Bon, voilà. Donc, je bénis votre nuit. Que cette nuit soit pleine de révélations. Oui. Que votre nuit soit pleine de révélations. Que cette nuit, on vous confirme. Pour ceux dont je suis le guide spirituel, qu'on vous confirme. Et que les paroles que je vous ai données ici vous apportent plus de lumière. Oui. Plus de clarté. Monsieur Marcelin, bonsoir. Il faut dormir, pardon. Est-ce que l'énergie négative d'une personne peut vous pousser à ignorer ses salutations? Non, pourquoi? Déjà, quelqu'un qui a une énergie négative, il ne peut pas vous saluer. Hein? Qu'est-ce qui va faire qu'il vous salue? Le salut, c'est genre, je t'envoie la paix. Donc, si l'énergie négative, il ne peut pas t'envoyer la paix. Voilà. Que tout ce qui vous avez, je chasse la confusion de votre esprit. Je mets la clarté. S'il y avait des questions que vous aviez encore, des inquiétudes, je viens calmer. Je viens calmer vos esprits. Je calme vos esprits. J'enlève la peur. Comment je vais faire? Comment je vais? J'enlève le comment là. Toutes ces peurs là, je les écrase. Je les abolis, je les anéantis. Angèle, merci. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ que
votre lumière brille. Voilà la lumière que j'ai allumée tout à l'heure. Elle est toujours là. Recevez les ouvertures que vous avez demandées. Toute grâce qu'on a commencé à vous donner, que personne ne puisse vous la prendre. Toute porte qui a été ouverte. Retrouvez ce que vous avez perdu. Quelqu'un a perdu son téléphone ou un objet ici, là, tu vas retrouver ça sous 48 heures. Ce qui t'a été volé, tu le retrouves. Il y a quelqu'un ici, tu avais un peu une sorte d'énigme dans ta tête. Tu ne savais pas comment gérer une situation. Trouve ta solution cette nuit. Demain matin, vers 4h30 maximum. Oui. Il y a aussi quelqu'un que tu... Il y a quelqu'un qui t'escroque de l'argent depuis longtemps. Ça va venir à la clarté de ton esprit. Tu vas t'en rendre compte. Personne qui est entrée dans ton cerveau qui te manipule, j'expose la personne. Tes clients ont fui. On a fait la prière, tu dis que tes clients ont fui. Ainsi soit-il. Comme tes clients ont fui là, ainsi soit-il. Ils fuient. Que vos portes soient ouvertes, que votre argent augmente. Tout ce que vous déclarez ici, je dis seulement amen. Hein. Moi, je dis seulement amen. Donc, venez déclarer le négatif. Je dis bien amen pour vous. Ok? Voilà. Vous aimez montrer que vous êtes négatif. Non, venez. Venez déclarer ce qui est négatif. Je vais sceller ça sur votre vie. Même une seconde, vous pouvez être positif. Ya! Et vos grosses têtes pessimistes là. Bye. Il ne faut pas que comment vous insultez ici là. Bye. Ne m'énervez pas. TikTok, vous aimez toujours ça, toujours en train de vous plaindre. Je mets la grâce sur vous. La grâce. Bonne nuit.